je m'appelle Lucas Dizier, j'ai 18 ans depuis peu. J'ai commencé le tennis de table il y a un peu plus de 10-12 ans, quand on s'est installé à côté de Toulouse avec ma famille. Et on a recherché des sports. Étant donné que mon frère était déjà à la natation, et ben, on s'est orienté vers le seul sport qui restait, enfin mes parents m'ont mis vers le seul sport qui restait, c'est-à-dire le tennis de table. Et j'ai découvert le handisport il y a 5-6 ans maintenant. Sur une compétition par hasard, il y a un éducateur handisport qui s'appelle Benoît Froment qui m'a vu, qui a vu que j'avais un handicap, il m'a abordé, on a commencé à parler du handisport et j'ai découvert que ça existait. J'étais petit, je ne savais pas encore ce que je voulais, mais je regrette pas. C'est à refaire, je referai. Alors c'est un handicap assez discret, mais oui, qui reste visible. En fait, j'ai un deux pieds beaux, c'est-à-dire j'ai une atrophie des mollets, ils sont beaucoup plus petits que la normale. J'ai aussi pas lié à mon croisé et un genou recuratum. Ça m'a jamais vraiment beaucoup gêné. Certes, je pouvais pas courir, sauter, faire des choses trop compliquées avec, mais je me suis toujours adapté. J'ai pas vraiment eu de réels problèmes à être avec les amis, avec les copains. Je me suis toujours adapté, trouvé une autre solution, un autre moyen pour faire ce qu'ils faisaient. J'étais toujours là à côté d'eux. Jamais vu vraiment un réel handicap. Je cherchais assez timide quand même. Je ne vais pas trop vers les autres. Je laisse aller venir en premier vers moi. J'aime pas parler aux caméras, c'est pas mon point fort. Et voilà, je suis assez curieux, mine de rien, je m'intéresse à pas mal de choses. Et j'aime les compétitions, les matchs, les défis, les challenges, tout ce qu'on peut compter, moi je le fais. Allez, les premiers stages, ça a été un peu compliqué, il fallait s'intégrer, surtout qu'il y a une grosse différence d'âge quand même, je suis un peu plus jeune là. Et ben, au fur et à mesure, vu qu'ils m'ont très bien intégré, ils me parlaient beaucoup, facilement, je me suis très bien fait intégrer dans le collectif. C'est très sympa. Pour le moment, je suis étudiant. Je viens d'avoir mon bac il y a quelques jours. Et donc maintenant, je suis passé aux études supérieures. Je vais m'orienter vers un IUT technique de commercialisation à Montpellier. Pour le moment, je m'oriente vers conseiller commercial dans le secteur de l'automobile, c'est-à-dire vendeur de voitures. En fait, j'ai un jeu à table. C'est-à-dire, je reste à table, je ne m'éloigne pas trop. Je joue en défense à table avec un picot en revers. Et aussi en revers, en fait, je tourne mon poignet sans tourner pour renvoyer la balle, quand j'ai pas le temps de tourner, quand je suis surpris, hop, un peu comme un réflexe pour changer, casser le rythme, faire une différence. Je vois comme un bon réflexe, ça peut surprendre, ça peut gagner des points, il n'y a pas de mauvais réflexe. C'est quelque chose que je travaille au panier, notamment, m'entraîner à pouvoir le démarrer, à le varier, à pouvoir le faire toujours de façon plus sécuritaire. Je reste à la table un peu à cause de mon handicap. Car les déplacements avant-arrière, j'ai un peu du mal aussi sur les côtés, je suis assez lent. Donc oui, je reste à table un peu par défaut, parce que si je vais loin, je vais perdre tous les points, je ne vais pas pouvoir aller sur les balles. Donc je reste à la table où il y a une moins grande zone à couvrir. Et c'est plus simple en termes de déplacement, donc c'est plus simple pour moi. Le coup droit, c'est un peu mon point faible pour le moment. Tout ce qui est dans la zone coup droit, j'ai un peu du mal, étant que j'ai beaucoup travaillé le revers étant plus jeune. Donc pour le moment, il faut travailler le coup droit. C'est un plaisir de voir des gens qui ont fait plusieurs Jeux paralympiques, qui sont là depuis un certain moment, qui ont vécu beaucoup de choses, qui ont voyagé aux quatre coins du monde. C'est quand même quelque chose de jouer avec eux, d'être là avec eux, qui nous partagent cette expérience. C'est un plaisir. C'est possible de faire comme Gilda Bourdonnais, qui est là, d'avoir ce niveau-là en étant aussi âgé. C'est quand même quelque chose d'avoir fait autant de Jeux paralympiques, avoir autant de fait de bons résultats. C'est quelque chose que je respecte. Il est très, très sérieux. Très rigoureux partout, son état d'esprit, son mental, toujours à gagner, à vouloir combattre, sans doute ça. Il faut s'entraîner, avoir du mental, et voilà, rien que ça, c'est déjà un énorme pas, s'entraîner beaucoup, souvent, d'une bonne manière, toujours pas être dans la défaite, dans le pessimisme, toujours être optimiste, vouloir gagner, avec un bon état d'esprit, un bon entraînement, je pense qu'on peut y arriver. Je sors beaucoup avec mes copains, j'aime aussi beaucoup faire du vélo. Très sympa, que ce soit en famille ou avec des amis aussi. Toujours sympa de bouger, d'être en vélo. Jardine aussi pas mal. J'ai un petit potager chez moi. Je poussais des piments, des tomates, des citrons, des potirons, la menthe, pas mal de choses. Je cuisine aussi pas mal. Je cuisine aussi pas mal chez moi pour mes parents. Bon, ils aiment pas trop parce qu'après, la cuisine est un peu sale, mais c'est un détail. La pizza. Je fais la pâte, je prépare tout et j'ai fait. C'est ouf.